compte rendu de la 8e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 juin 2021 à Bounia, par visioconférence, la 8e réunion du Conseil des ministres. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Note d'information de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 3. Points d'information. 4. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption de textes. De la communication du Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 5 points. 1. De son séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Président de la République a informé le Conseil des ministres de l'objectif poursuivi par sa mission humanitaire et sécuritaire dans cette partie de notre chère République. À l'étape de Goma, il a visité les sites touchés par l'éruption vers la route de Kibati. Il a réconforté les populations déplacées et il a inauguré l'hôpital militaire qu'il a mis à la disposition des populations déplacées qui ont été touchées par les conséquences de cette éruption. Il a réitéré la ferme promesse du gouvernement à tout mettre en œuvre pour reconstruire les abris de ceux qui ont perdu leur domicile. Pour ce qui concerne l'état de siège, le président de la République, après avoir réuni son état-major sécuritaire à Goma, s'est rendu à Beni pour palper du doigt le quotidien de ses compatriotes. Devant les notabilités, le président de la République a redit sa détermination à ne ménager aucun effort pour mettre fin à la situation d'insécurité qui perdure dans cette partie du pays. Nos forces armées vont monter en puissance et elles méritent le soutien de tous, a-t-il rappelé. Avec son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, il a aussi donné le coup d'envoi des travaux des axes routiers Kasindi-Beni, Beni-Boutembo et Bunagana-Ruchuru-Goma, soit 223 km pour permettre de relier toutes ces parties de la province du Nord-Kivu avec le pays frère de l'Ouganda et faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Avant son arrivée à Bounia, le président de la République est passé par Boutembo, où il a redit le sens de sa mission, celle de ramener la paix à tout prix dans cette partie du territoire national. Il a exhorté la population à respecter strictement les mesures barrières pour faire face à la troisième vague de la pandémie à coronavirus. Le point 2 de la communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur le programme triennal avec le Fonds monétaire international. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que la partie congolaise et les FMI se sont mis d'accord sur le contenu d'un programme triennal. Sa validation par la direction et les conseils d'administration du FMI attendus le mois prochain donnerait accès à d'autres financements provenant d'autres bailleurs bilatéraux. Le gouvernement est donc appelé à se préparer pour faire face à tout ce que cela impliquera. Le point 3. Des objectifs d'amélioration du climat des affaires repris dans le programme du gouvernement. Le président de la République a invité le membre du gouvernement, chacun dans son secteur, à collaborer étroitement avec la cellule de climat des affaires rattachée à son cabinet afin de lui faciliter la mise en œuvre de son plan d'action en rapport avec les trois assignations principales, à savoir le classement Doing Business, la rationalisation de la fiscalité et la sécurité juridique et judiciaire. Le président de la République a tenu à être informé par le gouvernement des efforts qui sont faits dans la collaboration avec cette cellule pour réussir cet objectif. Le point 4 de la communication du chef de l'État a porté sur la numérisation intégrée
de la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques. Le président de la République a estimé qu'il est urgent d'opter pour un projet fondateur, structurant et profondément réformateur capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer la République démocratique du Congo grâce au numérique dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques et de la redevabilité. Point 5 et dernier point de la communication du président de la République. Des graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics du portefeuille de l'État relevés par l'Inspection générale des finances. Le chef de l'État a été saisi des conclusions définitives tirées des contrôles effectués suivant une procédure contradictoire dans certaines entreprises publiques aux responsables de structures contrôlées par l'IGF. Ces conclusions font état de la perception par les gestionnaires d'avantages exorbitants au mépris des dispositions légales et réglementaires, de l'allocation à certaines catégories du personnel d'avantages de toute nature au détriment d'autres catégories d'employés non bénéficiaires, du non-respect des normes sectorielles de gestion en matière d'affectation de moyens mobilisés, de la mauvaise gouvernance caractérisée par l'importance des dépenses restées sans pièces justificatives, de la multiplication de marchés publics de gré à gré, mode de passation qui s'est imposé comme règle alors qu'il consiste en une exception. Pour éviter l'aggravation de cette situation déjà désastreuse, le président de la République a demandé aux ministres sectoriels concernés de prendre les mesures conservatoires nécessaires de nature à mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Le point 2 du Conseil de ministres de ces jours a porté sur la note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. Dans son intervention censée essentiellement sur les mesures contre la pandémie à Covid-19, le Premier ministre a rappelé l'annonce du président de la République chef de l'État, faite le 15 juin 2021 à Goma, relative aux mesures barrières pour faire face à la survenue de la troisième vague de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a été chargé, en tant que chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures d'encadrement et des suivis pour mettre en exergue ces mesures dans les 48 heures. C'est dans ces cadres qu'il a réuni le 16 juin dernier, à l'hôtel du gouvernement, tous les membres du comité multisectoriel de la riposte à Covid-19, y compris tous les membres représentant les services de sécurité. Après leurs avis, les mesures suivantes sont arrêtées et doivent être de stricte application. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux des cultes, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et d'édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériaux jetables, qui s'ajuste étroitement sur les visages, couvre le nez, la bouche et les menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise obligatoire de température corporelle, le lavage systématique de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Le strict respect de la distanciation sociale en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé moins de 72 heures dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national,
Le voyageur doit être soumis au test PCR Covid-19 négatif et ou antigénique réalisé par les agents de l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou d'une formation médicale dûment agréée par le ministre ayant la santé publique, l'hygiène et la prévention dans ses attributions. 6. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministre ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions. 7. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant le résultat PCR Covid-19 négatif établi par l'Institut national de recherche biomédicale ou par toute autre formation médicale dûment agréée par le ministre ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions. 7. 8 plutôt. Le maintien du couvre-feu de 22h à 4h du matin, des patrouilles mixtes de la police et de la police militaire seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement puni selon le prescrit de la loi. Le couvre-feu n'est pas en vigueur et dans les provinces ou les villes n'est à pas plus de 20 cas de Covid-19. 9. Les usagers de transport en commun, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans accomplis, sont tenus de se couvrir la bouche et le nez en portant un masque. Dans les transports publics, seuls 50% de la capacité d'accueil seront tolérés. Tous les passagers devront être assis. Il s'agit des bus ou autocars. Les mototaxis ne sont autorisés à ne prendre qu'un seul passager. 10. Afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, il est interdit tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur le lieu public. 11. La vente sur la voie publique est strictement interdite. Les vendeurs sont obligés de gagner l'intérieur des marchés. À l'intérieur de ceux-ci, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage systématique de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 12. Les manifestations publiques, réunions, célébrations de mariage, réceptions après funérailles, anniversaires, etc., se déroulant dans un espace extérieur privé, ne devront pas excéder plus de 20 personnes. 13. Il est interdit les veillées mortuaires dans les funérariums ou à domicile. Les dépouilles mortelles seront directement conduites à la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50. 14. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Obligation est faite à tous les employeurs à faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et les recours les cas échéants, au travail à distance ou au télétravail. 15. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec les renforcements du strict respect de gestes barrières tels que répris à l'article 2. Tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. 16. Tous les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit restent fermés. Cependant, les restaurants sont autorisés à fonctionner jusqu'à 21h à une capacité d'accueil ne dépassant pas 50%. 17. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées
à l'aide de tests rapides, à savoir les professionnels de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. 18. La police nationale congolaise, les services de sécurité, ainsi que le service œuvrant aux frontières, à l'occurrence, la Direction générale de migration, le Programme national de l'hygiène aux frontières et l'Institut national de recherche biomédicale sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. 19. Tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées par l'autorité administrative du ressort. Le Conseil des ministres a adopté ces mesures et a chargé les ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de province de leur application. Point 3 du Conseil des ministres relatif aux points d'information. Brossons la situation de l'état du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est revenu sur quelques faits saillants, parmi lesquels la visite humanitaire et sécuritaire du président de la République dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sa tournée dans cette partie du pays suscite une satisfaction dans les chefs de la population et elle est surtout porteuse d'espoir. La situation du pays face à la pandémie de la COVID-19, ponctuée par les nouvelles mesures annoncées par le président de la République, chef de l'État, et la persistance de mouvements de grèves de professionnels de santé sur toute l'étendue de la République. Ces grèves rendent difficile la prise en charge des malades et l'accès aux services mortuaires. Les drames survenus dans la province du Sud Kivu, où un aéronef à destination de Shabunda s'était croisé à l'aéroport de Kavumu le mercredi 16 juin dernier, faisant 3 morts. Le saccage du bureau de l'Agence nationale de renseignement et de l'état-major de la police nationale dans la province de Bazouélé. Cela a occasionné l'évasion de plusieurs détenus du commissariat de la police nationale. 4 policiers ont été grièvement blessés. Les investigations se poursuivent pour dégager les responsabilités. L'actualité sécuritaire reste largement dominée par la poursuite des opérations par les forces de défense et de sécurité contre les groupes armés actifs et autres forces négatives dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présentement sous état de siège. À son tour, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants est revenu principalement, à travers la voix de la vice-ministre, sur la poursuite des opérations militaires en profondeur dans le Nord Kivu contre tous les groupes armés réfractaires au processus de désarmement volontaire. On a déploré les décès d'un officier supérieur dans une embuscade il y a quelques jours à cause de l'activisme de ces malfrats. Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour mettre fin à toute cette situation. Dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent la traque de tous les groupes armés. Quelques arrestations ont été effectuées dans les démantèlements d'un réseau d'achat d'armes et de munitions du groupe armé Tuiranéo et plusieurs armes et munitions ont été récupérées à Minembwe. La pression militaire de forces armées de la République démocratique du Congo dans les zones des hauts plateaux tend à contraindre les seigneurs des guerres Michel Rugunda alias Makanika à dialoguer avec les forces loyalistes. Au point 3, sur l'évolution de la COVID-19. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation générale de la pandémie. Il a axé son propos sur les plaidoyers qu'il a effectués auprès des évêques. À l'issue de leurs échanges, ils se sont engagés à soutenir officiellement la grande campagne de vaccination contre la COVID-19 et la sensibilisation par leurs canaux, réseau des paroisses et hôpitaux. Les évêques ont suggéré et recommandé au gouvernement que les autorités politiques et administratives du pays prêchent par l'exemplarité comme eux les feront en se faisant publiquement vacciner. Que le ministre de la Santé et le programme élargi des vaccinations puissent aussi faire un plaidoyer auprès de pasteurs
et aux autres hommes d'Église pour combattre la désinformation à ces niveaux et les amener à soutenir cette mesure de santé publique, surtout dans cette troisième vague qui s'avère particulièrement dure. Que les tests pour la COVID-19 ne soient pas que pour les voyages et qu'ils soient abordables pour avoir une estimation des cas réels en République démocratique du Congo. Sur un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de ministres de l'évolution des négociations entre lui, son collègue du budget et les différents syndicats des professionnels de santé non médecins. Un compromis sera bientôt trouvé pour permettre la levée rapide de la grève et assurer le fonctionnement optimal de nos hôpitaux. Au sujet de l'évolution de la situation récente du marché de change, le gouverneur de la Banque centrale, invité à ses conseils de ministres, a présenté la situation du marché des changes pour la période du 8 au 15 juin 2021. Il a noté la stabilité continue du taux de change grâce notamment à la gestion sur basse caisse et d'autres mesures d'encadrement du franc congolais. Il a informé le Conseil de ministres de l'amélioration des réserves de change qui ont connu un accroissement de près de 158 millions de dollars grâce au rachat par le gouvernement de la fiscalité pétrolière et douanière. Il a aussi mentionné la réduction du taux directeur de la Banque centrale des 10,5% à 8,5%. Point 4. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la cinquième réunion tenue le vendredi 11 juin dernier. 5. Examen et adoption des dossiers. Conformément à la volonté du président de la République, exprimée lors de la deuxième réunion du Conseil de ministres, le premier ministre chef du gouvernement avait chargé le ministre d'État, ministre de plan faisant office du président de la commission ECOFIN du gouvernement, de produire une première ébauche des projets disponibles permettant de démarrer l'ambitieux plan du président de la République en rapport avec nos 145 territoires. Il a réuni la commission économique et financière à cet effet et ils ont proposé les options suivantes qui ont été retenues par le Conseil de ministres. 1. Instruire les gouverneurs des provinces en concertation avec les administrations locales de sélectionner une infrastructure sociale à financer dans chaque territoire selon les trois axes suivants. Éducation, santé et accès à l'eau. Débloquer des fonds pour chacun de 145 territoires en y ajoutant des frais de gestion. Transférer les fonds en province sous la rubrique transfert sur investissement de province avec libellé pour chaque territoire. Activer les mécanismes adéquats de suivi et des contrôles pour exécution dans un délai raisonnable. Après débat et délibération, le dossier a été adopté pour son démarrage effectif. Les ministres sectoriels ont été invités à l'enrichir. À son tour, le ministre des Finances a fait le point sur le dossier relatif à l'évaluation et au suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Il a montré la progression continue des réalisations des recettes par les régies financières. Ceci s'explique notamment par la nouvelle dynamique politique portée par le chef de l'État et qui a eu un impact positif sur les contribuables ainsi que sur le fonctionnaire. Les efforts de service, ici il s'agit des régies financières, la crainte du contrôle, notamment de l'inspection générale des finances, et enfin la transparence accrue apportée par le logiciel de comptabilisation de recettes ISIS Régis. Le ministre des Finances a également relevé que le paiement de salaire couvre globalement 73% de recettes réalisées mensuellement, alors que le critère de la qualité des dépenses exige que celles liées aux rémunérations soient plafonnées à 50% des recettes internes. Cette situation exige du gouvernement de multiplier les efforts dans la mobilisation des recettes et de bien maîtriser les effectifs de tous ceux qui sont rémunérés par les trésors publics. L'appuyant sur ses propos, le ministre d'État, ministre du Budget, a fait part au Conseil
du travail en cours qu'il a débuté avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour une maîtrise des effectifs des agents publics de l'État dans le cadre de l'élaboration du projet du budget pour l'exercice 2022 en cours de préparation. Concluant sur ce chapitre, le premier ministre chef du gouvernement est revenu sur son exhortation permanente aux membres du gouvernement à travailler pour améliorer la mobilisation des recettes dans leurs secteurs respectifs en vue de l'exécution optimale du programme gouvernemental. Il a déclaré, je cite, « un éveil national et patriotique est à promouvoir, car les recettes de l'État ne sont pas que l'affaire de régie financière ». Fin des citations. Ce dossier a été adopté. Dernier point à l'examen du Conseil des ministres de ce jour. Adoption d'un projet de texte. En l'absence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil des ministres le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo pour une période de 15 jours, prenant cours le 21 juin 2021. Ce projet a été adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour disposition. Commencée à 12h, heure de Bounia, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h55.